Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim. Et voilà, il est temps. Il est temps, on dit au revoir. Il est temps, on dit au revoir à notre joujou, à notre jouet, à notre chouchou, à notre petit jeu favori de la Wii U. De la Wii U, Splatoon. Donc là, on a allumé la Wii U et là, on a dit waouh, on voit flou. Alors, déjà, on espère que cette vidéo et ce type de vidéo vous plaira, et faut pas hésiter à mettre un pouce bleu déjà. Pouce bleu. Pour la dernière épisode de Splatoon 2, nous dire si ça vous a plu déjà. De Splatoon 1. De Splatoon 1, pour nous dire si ça vous a plu. Ouais. Si vous avez aimé jouer avec nous, si vous avez aimé regarder tous nos épisodes, on en a presque 200 épisodes de Splatoon qui durent 30 minutes. Ah bah tiens. Ah, Adrien. Bonjour. Bonjour. Ah, il a la panoplie. Ouais. En tout cas, on a beaucoup aimé jouer avec vous. C'est un jeu qu'on a beaucoup aimé parce que c'était un nouveau. Tout était neuf, tout était nouveau, tout était formidable. Alors bien formidable, sûr, on a ragé parce que quand on perdait, on rage. Faut savoir que c'était nos premiers vrais gros let's play. Hein. Ouais. GK Jean, tiens. Ouais. Et c'est là où la communauté GK est née. Où, un truc de malade. Un truc, ouais, c'est Splatoon quoi. On s'en souviendra. Mais Splatoon 2 sort. Mais Splatoon 2 sort. Alors pour être vraiment, mais alors vraiment très honnête, le Splatoon 1 est dégueulasse par rapport au Splatoon 2. Non, c'est vrai, je me rendais pas compte, et en relançant sur le même matos, sur la même télé, et ben le 2 est beaucoup plus propre. Le 1 est vraiment pas bon. Ouais. Là, il est tout pixelisé. Bah, c'est pour ça que j'ai dit que je voyais flou. Mais c'est, et franchement, c'est exagéré. Et, enfin, il est pas horrible, mais ça va. Mais le 2 est vraiment plus joli. Vraiment plus joli. Il est plus fluide, il est plus... Il est vraiment plus joli. Ouais. Alors, voilà, Splatoon, moi, ce que j'aurais aimé faire, alors vraiment, alors s'il y en a qui ont le temps et qui ont la patience et qui ont envie, d'ailleurs, ça sera récompensé parce qu'on le mettrait sur notre chaîne si ça rendrait très bien, c'est faire un montage avec tous nos épisodes de Splatoon pour montrer un peu aux gens les moments un peu rage, les moments un peu drôles, les moments où on hurlait. C'est ça. Les moments où on a découvert des trucs, où on a fini le boss. On aurait voulu faire un montage, mais franchement, on n'a pas du tout le temps. Et c'est très très long à faire. Et c'est vrai qu'on s'est dit, et récemment on a vu un montage d'un fan de GK Loïc sur nos vidéos, et en fait c'est vraiment bien. On a rigolé. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment très très bien. C'est avec la musique en plus de La La Land, qui est vraiment l'un des meilleurs films. J'y ai réfléchi et tout, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu. Ouais. Qu'on a vu récemment. Et il a fait un petit montage sur nos épisodes et ça rendait vachement bien. C'est vrai que nous, on aimerait bien faire ça, mais on est vraiment. On n'a pas trop le temps. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé, mais on va juste vous faire une vidéo d'une heure sur Splatoon. Une heure? Bon, une petite heure quoi, où on jouera avec les abonnés. Ouais. Bon, on va essayer hein, parce que vous savez notre connexion. Avec les abonnés, du coup, on va partir en match privé à ce moment-là. En match privé? Et puis créer une session privée. Et on va mettre sur Twitter. Accès libre. Accès libre, d'accord. Et je sais pas s'il y a des gens qui vont nous rejoindre. Je sais pas. On va voir les serveurs, on va voir si ça rame moins, on va voir si ça rame plus. On va mettre un message sur Twitter. Ouais. Et on se retrouve avec le plus de gens possible pour cette toute dernière vidéo de sur Splatoon 1. Donc c'est parti, alors nous allons partir en match classique et puis les gens vont nous rejoindre petit à petit parce qu'en fait c'est compliqué et on veut pas avoir de problème, comme ça ce sera plus facile. Et puis il y avait pas tout le monde qui était connecté, donc honnêtement il est un peu tard. Faut savoir que la Wii U est morte aussi. Bah en fait il y en a beaucoup qui ont vendu leur Wii U pour acheter la Switch ou qui ne jouent plus sur Wii U. Hein. C'est très triste. Dans la liste d'amis j'en ai enlevé, il y en a qui jouaient plus depuis plus d'un mois. C'est très triste. Et donc du coup on va faire une partie sur deux. Ça rame pas. Ça a mis très peu de temps à trouver une partie parce qu'il y a personne en fait. Ouais, il y a de moins en moins de monde. Alors, faut savoir que le premier épisode de Splatoon. On a été se renseigner un petit peu, on avait 12 000 abonnés. Oh. Et là, le premier épisode de Splatoon, Splatoon 2, on aura 250. C'est ça. C'est énorme, mal, hein. Ça change. Oh là. Ah oui, je l'ai eu. Ah, premier kill de la dernière vidéo. Mais c'est un jeu qui nous tient vraiment à cœur et j'espère que vous l'avez bien compris parce que il y en a qui ont dit oui, on l'a fait dès le début quoi. Ouais. Sans trop m'avancer, je dirais même qu'on est les premiers youtubeurs français à avoir fait le jeu quoi. Ouais. Ah, parce qu'on a fait le global machin. Testfire dès le début. On a fait le lendemain, on a fait les premières vidéos test quoi. Et puis là, bah c'est pas fini. Et on a toujours fait. Là, c'est vrai qu'on a fait une grosse fausse, parce que comme on vous a dit, on a plutôt peur que ce soit exactement la même chose. Pas peur, non. Enfin, ça va être très très bien Splatoon 2. Ça va être très très bien. Mais d'ailleurs,
en parlant de Splatoon 2, on va vous révéler quelque chose, on a le droit de le dire. Teasing ! On a eu le jeu en avance. On a déjà le jeu. Voilà. On a déjà le jeu Splatoon 2, et pour être franc, on n'y a pas encore joué, tout simplement parce que on a le droit de faire une vidéo. Alors, ouais. Je vous laisserai voir qui a déjà fait une vidéo, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu le jeu. On a le droit à seulement 5 minutes de jeu. 5 minutes de jeu pour vous montrer Splatoon 2. Voilà. À quoi ça sert de faire une vidéo de 5 minutes pour vous montrer Splatoon 2? Voilà, on voulait pas. Pour nous, et on n'a pas le droit de montrer plein de trucs, on n'a pas le droit de faire une vidéo continue par exemple, faire le mode histoire. On peut faire que le mode histoire déjà. Ouais. Et on n'a pas le droit de faire trop de temps sur le mode histoire et pas trop dévoiler de parties, pas de faire. Et du coup, on a préféré vous laisser attendre. Bah, la surprise, là, pour ceux qui l'ont encore à la sortie, et on fera des vidéos le jour de la sortie. On fera l'épisode 1 du mode histoire, on n'en fera pas avant. Alors, à savoir qu'après, les serveurs ne sont pas encore ouverts, donc on peut pas faire de multijoueur. On peut, par exemple, par contre, là, nous, on peut faire, par exemple, si on voulait le mode histoire en entier. Mais bon, on le fera pas. Alors, on s'est renseigné un petit peu juste pour en parler. Le mode histoire, c'est la même chose. Non, mais faut pas dire. Si, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Le principe, on n'y a pas joué, on chose. S'est renseigné. Hein. Oui. C'est la même chose, c'est-à-dire que il faut trouver le poisson sort. Hein. Voilà. Et c'est le même niveau, c'est exactement le mécanisme. Bah, c'est comme un Mario, hein, c'est toujours pareil. En fait, je pense que ça va être comme un Mario, c'est-à-dire que Mario doit sauver Peach et des griffes de Bowser, et puis voilà, ça va être la même chose. Ouais. Mais bon, ça, si l'histoire est bonne derrière, pourquoi pas. On verra ça, de toute façon, vous découvrirez ça le jour de la sortie, comme nous. Ah, Dr. Luigi. Au lieu de Dr. Mario. Mais donc voilà, Splatoon, c'est vraiment un très très bon jeu. La licence est très très bonne. Le 2 va être vraiment ouf. Il est beaucoup plus beau. C'est pour être honnête. Hein. Ah oui, il est beaucoup plus beau. C'est vrai qu'on était un petit peu critique parce qu'on se rendait pas compte. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à celui-là. On n'a pas joué sur la télé, donc on se rendait pas compte non plus. On jouait sur une télé différente. Donc voilà. Mais le 2 va être vraiment plus, est vraiment plus beau. Et les nouvelles armes et tout, on a vraiment hâte. Il y a des améliorations pour le multi. Ah, t'as gagné ta première partie. Tiens, deux à toi. Donc là, c'est un peu bizarre de jouer avec le gros pan, mais bon, on y a tellement joué que... Non, quand je l'ai repris... Non, mais moi, quand je l'ai repris pour changer la liste d'amis, j'ai fait... Oh, premier 2-1. C'est tout Maïna qui a fait 9-1, mais bon. Moi, ça fait longtemps. Et donc, oui, nous n'avons même pas atteint le niveau max sur ce jeu, parce que, tout simplement pour nous, c'est que c'était... presque inutile et trop long. Trop long. En fait, c'était... Ah bah voilà, ah, c'est cool. Ah bah voilà. Bon, ben voilà, les derniers GK qui joueront avec nous sur Splatoon. Ouais. Bon, on en retrouvera plein sur Splatoon 2, bien évidemment. Splatoon 2. Alors, il y a un truc qu'on fera, parce que là, on va parler forcément pendant une heure que de Splatoon et de notre chaîne. Ouais. Il y a un truc. Oh, GK Hugues. Ah, Hugues. Il a jamais joué avec nous, lui. Hugues. Non, mais non, j'en ai rajouté. Même BG Digi, là. Non, il a jamais joué, non. Il y a un truc qu'on fera. Alors, ça va choquer beaucoup de personnes et ça va. Il y en a qui vont pas aimer du tout. Nous allons enlever toute la liste d'amis Switch pour Splatoon 2. On va la recommencer et on acceptera que des gens qui auront Splatoon 2. Comme et on fera avec comme Mario ça Kart. À chaque jeu en ligne. Voilà. Parce que comme ça favorise pas ceux. Enfin, ça favorise ceux qui achètent le jeu, mais en même temps, on va pas jouer avec des gens qui ont pas le jeu. C'est ça. Et ça favorise le renouvellement. C'est-à-dire que là, on va vraiment tout vider et on va tout recommencer. Alors, désolé pour ceux. Qui n'ont jamais joué avec nous avec Mario Kart, mais c'était vraiment pas évident. C'est pour ça qu'on veut tout recommencer pour éviter qu'il y ait des gens qui ont déjà joué. Puis s'il y a des gens qui ont déjà joué et qui ont le jeu et que c'est eux qui tombent, après on peut pas faire grand chose quoi. On va faire notre maximum. Donc là on propose, bah dites-nous si vous voulez qu'on fasse ça. Bah j'imagine que ceux qui sont dans les amis ils diront non, mais on va tout changer. Du coup, on va recharger 300 personnes. Voilà, on enlèvera 300 personnes et on va essayer de pas remettre les personnes qui étaient déjà si il y a trop peu de place. S'il y a des places encore, on remettra des gens forcément. C'est ça. Mais s'il n'y a plus de place, on mettra... T'as ton ulti. C'est quoi mon ulti? Avec petit bateau. Ah! T'as déjà oublié comment faire. R, là. Ah oui! T'es nul. Oui, je suis nul. J'ai appuyé sur n'importe quel bouton. Et donc, nous allons refaire la liste d'amis pour le multijoueur. Alors, donc, le multijoueur, c'est quelque chose qu'on ne fera pas tout le temps. Non. On veut pas faire autant de Splatoon sur la chaîne principale, du Splatoon 2, par exemple, parce qu'en fait, c'est... On a beaucoup de jeux à faire, il y a beaucoup de vidéos différentes qu'on fait maintenant. À l'époque, avec Splatoon, on était à 10 000 abonnés et on faisait que ça. Et Kim est très concentré d'ailleurs. Oh là là, t'as fait un kill. Ah oui, il m'a tué aussi. Bien joué. Sur Splatoon, on faisait que ça parce qu'on était à 10 000 abonnés. Là, on est à 250 000, il y a du Minecraft, il y aura Mario Kart peut-être de temps en temps, Mario Rabbit aussi. Les lapins crétins. D'ailleurs, qu'on aura peut-être. Vous verrez. Ah, vous verrez. Vous verrez. Surprise. Surprise. Et donc, il y aura Miitopia, il y aura peut-être Ape Pikmin. Alors ça, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pas faute de pas vouloir le faire, c'est que... Oh non, j'ai pas eu. C'est une blague, on pourra pas le faire, c'est plus ça. C'est qu'on peut pas. Ouais, c'est ça. Mais Splatoon 2, c'est quelque chose qu'on attend vraiment. Mais
on veut pas trop avoir d'attente parce que on sera déçu si on a trop d'attente. Ouais. Généralement, en fait, on préfère être pessimiste et après avoir une super et surprise. Après une super surprise. Et c'est vrai qu'on est un peu comme ça dans la vie de tous les jours. C'est qu'on on est pessimiste sur beaucoup de choses. Ah, quand même. Tu l'es. Sur des choses et en fait non, après pas on est non on mais pas être trop enjoué. Voilà, voilà, c'est ça plutôt. Pas trop enjoué. Voilà. Parce que c'est sûr qu'on a regardé le Nintendo Direct, qu'on est obligé, Bah c'est en même temps on se renseigne voilà. Sur Splatoon, c'est quand même. Par contre d'un film, on regarde jamais les bandes-annonces d'un film. Ah ouais, jamais. Parce et que puis on préfère dire c'est nul que au début et puis était agréablement surpris. Mais là Splatoon 2, enfin on n'y jouera plus parce que il y a plus d'intérêt et vous avez. Et vu, puis les serveurs aussi vont fermer hein. Avec une seule bombe. Les serveurs vont fermer quand? Dans un ou deux ans, il y aura plus de serveurs Nintendo sur Wii U. Ah! Mais oui, mais on l'avait dit en plus. J'ai même pas discuté. Bouh, égalité. Il y a les 3 ans de vie, ouais, c'est un peu court, mais. Bah, c'est un peu court, hein. C'est un peu méga court, mais. Ah moi, je vous parie, je relance un Call of Duty Modern Warfare 1. Il y a encore les serveurs. Il y a encore les serveurs, mais après, ça peut être hébergé par d'autres, mais il y a des serveurs. Ah oui, bah oui, bah oui. Là, Splatoon, c'est-à-dire qu'il servira plus à rien. Eh, hey, je suis deuxième. Ouais, mais t'as fait moins de 1 de ratio. Oui, bah je suis deuxième. Attends, je me réadapte au pad. Mais bon, c'est un GK qui est devant nous. Oui. Donc voilà, donc déjà, on vous invite à rejoindre la team GK dans Splatoon 2 parce que. Bah, c'est... faut qu'on vous repère, faut qu'on dise ouais. Pour ceux qui n'ont pas conscience du. Tiens, Candice, GK, Hugues, bah il y a plein de GK déjà. Pour ceux qui n'ont pas conscience, parce que c'est quelque chose qu'on a moins fait Splatoon récemment. Il y a vraiment une communauté de ouf sur Splatoon. Hein. Ouais. On est vraiment beaucoup. Il y a des messages, tu tombes dans le jeu, tu vois, GK, Team GK, machin. Et c'est on fait partie de la Team GK, mais il faut pas dire, ah bah tiens, c'est que forcément des fans de Guillaume et Kim. Alors oui, forcément, mais c'est plus la team, c'est un ouais, non c'est team, ça. C'est GK quoi. Non, c'est une team. Il y en a qui sont pas forts, il y en a qui sont très forts, il y en a qui sont moyens. Moi-même, je ne suis pas très forte. Guillaume n'est pas non plus le boss de Splatoon. On se débrouille bien. Non, parce près. Que, comme on vous a dit, on peut plus. Non, mais c'est surtout que c'est pas notre objectif. Oui, c'est oui, pas notre objectif. Et puis, on peut plus jouer comme vous. Voilà. Ouais, c'est pour être honnête, on peut plus jouer comme quand on était à l'école et qu'on n'avait pas forcément de responsabilité. Ouais. On peut plus rester 5 heures de suite sur un jeu vidéo, c'est impossible. Ouais. Ça fait longtemps que je peux rester ça. À part quand on fait des vidéos, bien sûr. Oula. Allez, meurs! Voilà. Ah, oh, t'es conduite, la pauvre! M'en fous! Je suis inquiet. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas resté 5 heures de suite sur un jeu. Parce qu'on peut plus en fait. Ouais. On a plus trop le temps. En fait, on a plus trop le temps et. Et c'est... Par contre, on va essayer sur Splatoon vraiment d'être niveau max. Bah, si, sinon on se contente de faire qu'un jeu quoi. C'est-à-dire ouais. Jouer toujours au même jeu vidéo quoi. Ouais, comme il y en a qui font hein. Et nous, on aime bien, même si voilà, on n'est pas des boss sur tous les jeux vidéo, on aime bien jouer à plein de jeux vidéo différents. C'est ça. On aime bien jouer à Animal Crossing, aux Sims, à Splatoon, à Mario, à Clash Royale, à Mopio. On n'est pas les meilleurs du monde dans chaque jeu, mais on aime bien. Bah, c'est ça. On aime bien c'est notre truc, bah, c'est... jouer, quoi, tout simplement. C'est la multiplicité du jeu vidéo. Ah, Hugues. Désolé. Hugues. En tout cas, on est super contents, c'est notre dernière vidéo Splatoon. Mm. Alors peut-être bah, on fera une dernière pour la fin des serveurs. Bah, on remercie, ouais, voilà, dans un an, deux ans. Mais on remercie déjà tous les GK qui ont joué avec ouais. Nous et qui ont porté la team GK dans leur cœur et qui ont fait et que... Que ça se développe autant et qu'on ait plus d'abonnés et plus de... Alors, je dis pas qu'on a gagné tous nos abonnés avec Splatoon, hein, loin de non. Là, parce que c'est pas non plus... Enfin, on a on été a connus beaucoup, avec Splatoon, ouais. Forcément. Ah, ah, petit kill. Oh. On a gagné beaucoup avec Splatoon, mais... Mais, enfin, c'est un tout. C'est un... On a gagné avec beaucoup, enfin, un tout. Un avec tout. Nintendo, en fait. Avec Nintendo en général, ouais. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui nous disent qu'on est des youtubeurs Nintendo, c'est sûr. Ah bah, on est plus des youtubeurs Nintendo que des youtubeurs autre chose. Vous voyez bien, de toute façon. Ouais, mais... Parce que c'est la catégorie de jeu qu'on préfère. Mais le problème, c'est qu'en faisant Nintendo et que Nintendo, limite, ben, on se catégorise et il y a des gens qui adhèrent pas du tout, quoi. Et nous, on aime bien faire, comme vous avez vu sur notre chaîne, il y a tout. Il y a tout. Tout, mais et on a une étiquette Nintendo. Plus quand même. Nintendo. Mais moi, ça me dérange pas parce que Nintendo. Ah non, moi, ça me dérange pas parce que c'est des très bons éditeurs. Ah, c'est... ah oui, tu l'as eu. C'est quasiment. C'est limite. C'est les meilleures licences. C'est ouais, les meilleures c'est licences. C'est les licences que tu te rappelleras toute ta vie. Zelda, Mario. Mais Mario et Pokémon, tout le monde connaît. Ouais, enfin, Mario, Pokémon. Alors, Pokémon, c'est pas Nintendo, enfin, directement. Indirectement. Pokémon Company maintenant, mais c'est quand même Nintendo qui l'a créé, c'est sur Nintendo exclusivement. Mais c'est vrai que. Oh, Hugues encore le même.
C'est vrai que c'est des licences qu'on a connues petit ou qu'on connaît forcément au moment et qui restent à vie, quoi. Ouais. Je veux dire, Crash Bandicoot, etc. aussi, mais c'est pas la même magie, quoi. C'est comme Disney et... Et Parc Astérix. Voilà. Même s'il y a un peu de magie au Parc Astérix, Disney, deux, c'est... Mais... Disney, c'est... Il faudrait plus de dessins animés. Des dessins animés, c'est plus Disney, enfin, tu te souviens... Bah, entre Disney et DreamWorks. Alors, on se souvient de DreamWorks, Shrek c'est marrant, etc. Mais le Roi Lion c'est épique. C'est autre, voilà, chose. C'est autre chose. Bah Nintendo c'est autre chose, on peut pas se le cacher. Ah Nisa. Oh là là. Plus qu'un seul et on sera. Bah, Big Mama, à moins que Big Mama se fasse une abonnée. Mais c'est possible à niveau 16. C'est génial de pouvoir jouer comme ça et dire d'un coup on joue tous ensemble, donc forcément on pourquoi j'ai toujours pas... la même map et t'as tout le jeu. On jouera pas, bah de toute façon il y a que deux maps. Hein. Ouais. On jouera pas avec tous les gens, c'est sûr, c'est impossible. Mais au moins après il y a des types GK qui se créent, il y a bah, par exemple Aizraeg ou Candy, je pensais à eux parce qu'ils avaient ou Elisa, ils ont des gens, ils ont dans leur liste d'amis d'autres GK et du coup quand ils jouent, bah ils jouent ensemble. Ouais, même à Mopio. Même à Mopio quoi. On avait été étonnés et c'est tu dis c'est énorme, c'est quoi, stylé, c'est ouais. Une grande famille. C'est une grande famille, voilà. Faut pas voir ça comme forcément une team mais une famille. Bon, avec des, on cherche pas à avec être, des conflits, des fois. On cherche pas à être les meilleurs de Splatoon ou les meilleurs d'un jeu ou dire ouais, c'est nous, on pèse. Moi, je veux juste qu'on soit une famille et qu'il y a juste un, avec GK, on s'identifie comme quoi, tiens, lui, c'est un vrai joueur, quelqu'un qui aime s'amuser et qui est pas là que pour du ranking, quoi. C'est ça. Alors, il y en a qui sont pour le ranking et qui nous suivent. Oui. Mais nous, il faut savoir qu'on n'est pas il là que pour ça. Il faut de tout. Mais au moins, GK, c'est sûr que c'est. Je vais dire que les abonnés sont bien parce que c'est des. Enfin, les GK, c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont ouverts en fait. Ouverts, c'est-à-dire que vous demandez à un GK si vous êtes GK ou si vous êtes. Bah, si vous tombez sur des GK, vous demandez quelque chose, ils diront oui. Si vous demandez quelque chose, ils vous diront oui. Mais alors, non, mais, pas oui à tout, hein. Pas 10 000 euros, mais voilà, vous avez besoin d'un. Vous voulez jouer avec quelqu'un, vous demandez à un GK, tiens, est-ce qu'on pourrait se parler et jouer et dans la. Ensemble, bah oui. Voilà. Bah oui, voilà, si tu veux, bah tiens, je te passe mon code ami, on joue tous les deux. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas, ouais, t'as quel level pour rentrer. Bon, alors, sur Clash Royale, d'accord, parce que Clash Royale, il y a peu de personnes et on est obligé d'avoir une sorte de petit ratio. Oui, c'est voilà. Ils vont dire oui, les trophées sur Clash Royale, ça c'est autre chose. Ouais, mais après c'est Nintendo, un tout Clash Royale parce que c'est les gens qui sont aussi actifs, qui donnent, qui ouais, font des donations. En fait, on est obligé d'avoir du niveau de Clash Royale, c'est ça ouais. Qui est chiant. C'est pour ça qu'on en fait moins parce que c'est moins jeu fun, sauf ouais. Quand il y a les deux comptes 2. Ah, deux comptes 2 c'est fun. Deux comptes 2 c'est fun, c'est pour ça qu'on en fait beaucoup en ce moment. Et en plus, on a investi. Ah oui, vous verrez ça. La prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera un pack opening, j'ai un super magique et un magique et le coffre à couronne que j'ai pas ouvert. Le coffre de clan. Bah. Y a pas de bleu. Mais c'est voilà, vous voulez jouer en GK, et ben vous jouez quoi. Enfin, vous demandez à un GK son code ami, vous pourrez jouer. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des teams qui sont ouvertes, oui. Toutes les teams sont ouvertes, mais il y en a qui sont plus fermées dans le sens où bah non, t'es un noob, je veux pas de toi quoi. Ouais, c'est ça. Nous, c'est tous les GK, même s'il y en a qui seront moins venez bons. Venez d'un autre vie, venez. Et sur Splatoon, s'il y a eu ça, mais un truc de malade quoi. C'était, ouais. c'était ouf. Et les gens disaient, que... oh, je croise un GK, oh tiens, je croise un GK. Et donc c'est vrai que. Il y en a qui disent oui, je veux pas mettre le logo GK, enfin je veux pas mettre le GK parce qu'on m'insulte. Alors, faut savoir que à enlever le GK, si on le met au départ et qu'on l'enlève parce qu'on se fait agresser, en fait on donne raison à des gens qui nous agressent. Mm-mm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous l'avez et que vous l'enlevez parce qu'on vous demande de l'enlever, ben je veux dire, dans ce cas-là, on vous demande de sauter d'un pont, vous le faites quoi. Enfin, il faut avoir un peu un moment de fierté et se dire bah voilà, je m'en fiche quoi des autres. Ouais. Moi je suis content de ça, on est tous une équipe et le problème c'est qu'on a beaucoup cherché à casser la team GK. Ouais, il y en a beaucoup. Sur Splatoon, monstrueusement, c'était énorme. Parce que les gens sont jaloux, parce que. Parce qu'on tombe dans des vidéos d'autres youtubeurs et ça les embête un peu. Ouais. C'est ça. Alors il y en a qui s'en fichent, hein, mais. Ouais. Bon, en tout cas, nous on est super contents. Mais GK c'est ouf quoi. C'est et puis ouf on a rencontré via certes les réseaux sociaux. Mais on a rencontré des gens et des gens intéressants. Et... Ouais, qu'on a vu sur les salons, bah, qu'on verra d'ailleurs sûrement à Paris Manga, certains. Oui, Paris Manga. Avec Splatoon 2 et tout, quoi. Ouais. Et faut savoir que tous ceux qui montent dans la liste d'amis, moi, mon code, faut me supprimer parce, qu'on fait... l'a plus en fait, la ouais. Deuxième Wii. Alors pour être honnête, on l'a revendu, on a vendu notre deuxième alors, Wii oui, alors, pour acheter avec un Micromania, là il y avait un truc, une offre. Tu pour acheter prenais, la Switch à moins cher, et du coup on a donné la Switch aux parents. C'est vrai, c'était pour acheter notre Switch, parce qu'on s'est dit, bah
Parce que c'est au moins la Wii U, elle servira pas à rien. Et puis la Switch, j'ai donné à mes parents parce que. Ils sont contents, comme ça, sa mère, elle choisit Zelda. Elle a fait Zelda, voilà. Elle est galère. Et comme nous, on l'avait eu bah, via Nintendo en avant-première, on s'est dit, bah voilà, on va quand même, en gros, pas la payer, mais en acheter une pour se dire, voilà, nous aussi, on l'achète, quoi. Ouais. Pas se dire, bah voilà, on a tout gratuit, c'est facile. On achète, hein. Et puis, même Ring Splatoon. On achète tous les goodies, on a acheté tous les goodies Splatoon. On a acheté les coussins alors qu'ils étaient en Vous mettez les gâchapons Splatoon, on les a tous ouverts. Hein. Ouais. D'ailleurs, on en a encore d'autres à ouvrir, mais on sait pas si ça pourrait vous intéresser en fait. Ouais, c'est. Mais je sais pas. En fait, comme on fait moins d'ouvertures de cartes et de gâchapons, on se dit est-ce qu'on doit encore en faire. Ouais. Et du coup, on se pose la question de les faire sur la chaîne secondaire. Du coup, j'ai recommandé. Une display de la dernière extension Pokémon en japonais, tout simplement parce que j'étais pas du tout au courant. Parce qu'en fait, Pokémon, honnêtement, le YouTube game sur Pokémon, ça m'a grave saoulé sur Pokémon, les cartes Pokémon et les Pokémon en général. Et du coup, on avait complètement oublié parce que c'était. Enfin, nous, on le fait de notre côté et basta quoi. C'est notre passion, c'est notre collection, on n'est pas là pour s'afficher et dire regardez quoi. Ouais. Je veux pas participer à ça, donc du coup, on a arrêté. La dernière de Pokémon, l'extension. Il y a Dracaufeu et du coup, Guillaume, il a pas. Ah non, tu l'as même pas eu. Il y a Dracaufeu que j'ai pas, et du coup, on a commandé une display qu'on ouvrira sur la chaîne secondaire. Ouais, c'est ça. Ça fera forcément moins de vues, hein. Mais oui. Au moins les gens qui attendent fait, vraiment ça. Magic, en fait. Oui. En fait, on savait pas trop quand la mettre, Magic, on se dit, oh bah pourquoi pas sur une chaîne secondaire. En plus, ça refait des vidéos sur notre chaîne secondaire. Voilà, c'est ça, et puis on va. Pour être honnête, je pense qu'on va faire la chaîne secondaire à l'image de ce que était notre chaîne il y a très longtemps. Voilà. C'était pour ponctuer ma maman dire. À l'image de ce qu'on dit, c'est-à-dire des vidéos qui n'ont rien à voir, quoi. Des trucs un peu mélangés, des ouvertures, des quelques jeux de temps en temps. Comment ça de temps en temps? Animal Crossing, non, mais il y a Kim qui fait, bien sûr. Mais et les Sims toutes les semaines, hein? Le montre à lui. Ah non. Ah non, Guillaume, il m'a mis cette chanson dans la tête là depuis que tu es rentré ce soir. On peut pas beaucoup jouer là. Hein. Non. Ah oui, j'avoue. Ouais. Ils ont pris le dessus. Bah comme nous tout à l'heure sur Tour Girel. Mais c'est pas pour autant qu'on aime pas Pokémon. Ah alors non, Pokémon, bah non, on a une collection de ouf, on a rien vendu. Au Pokémon Center, on a trop. Mais on a du mal avec ce qui s'est passé avec Pokémon, donc voilà, forcément. Ouais. Bah c'est ça. Forcément, on veut plus. Bah on veut pas que Pokémon soit associé à l'argent, et en fait sur YouTube c'est un peu trop associé à l'argent. Voilà. Et ça devrait pas, Pokémon c'est. Bah c'est comme si on faisait pareil avec Splatoon, donc je vois pas l'intérêt quoi. C'est ça. Bon après il y aura pas sur Splatoon, parce qu'il y a pas de spéculation. C'est ça. Mais c'est comme si on faisait pareil sur Zelda, tu vois, tu fais des vidéos. Ah bah tiens, regardez, j'ai une statue qui est cotée 1000€. Bah c'est bien, on s'en fout. Oui, c'est ça, on s'en fout. C'est ta vie, c'est ton truc, c'est justement c'est ta passion. C'est ta passion. Nous on a plein de figurines qui cotent, et c'est pour ça qu'on va vous l'étaler sur notre chaîne, parce qu'il n'y a aucun intérêt de marquer en gros ça coûte 10 000€ ou machin. Mais là on parle loin. Mais du coup, Splatoon, c'est la dernière. S'il y en a qui se font le courage, comme je disais, hein, Bon là la partie est complètement déséquilibrée. Pas forcément mais très en intéressant. Même temps, tu parles. Oui, je parlais. Je pense que j'ai fait le plus de scores et puis de mon équipe. Voilà, ah, mais Nizar, il a pas de se défaire zéro tout à l'heure aussi, c'était pareil. Et voilà. Splatoon 2. Splatoon alors, 2. Forcément, par contre, on fera tous les jours l'histoire comme on a pu faire avec Zelda. Avec Zelda donc, ou tous avec. Tous les jours à midi, midi ou 10h, ça dépend. Ouais. Julien ! Il y a Big Mama qui est resté. Mais c'est Yannou. Va-t'en. Oh, il y a Nono. Mais non, c'est une abonnée, elle a fait. Il y a Nono. Nono, le petit robot. Nono. Bon, mais je sais pas qui c'est, mais c'est un autre, je pense. Mais c'est une vraie team, quoi. C'est GK. Voilà. Sur Splatoon, en tout cas, sur Nintendo. On est très content de notre chaîne, on est très content de vous, On a une vraie collaboration, une vraie image de gens qui, bah oui, ils sont pas forcément forts, mais on se respecte tous les uns les autres, et on va pas agresser les gens, quoi. Non. Bon, il y a des fois, il y a des éléments perturbateurs, mais en général, ils s'en vont très vite. On se débrouille pour les calmer ou c'est parce qu'on est GK qu'on va crier sur les toits. Non, on est une team, on se défend à mort et tout faire. Voilà, non. On reste très poli et nous on veut pas se mêler des histoires, parce qu'il y en a eu des histoires, mais c'est pas, enfin on n'est pas dedans, donc voilà. Vous savez ce qui vous fera avancer dans la vie, c'est pas les autres, hein, c'est vous. Hein. C'est vos décisions à vous. Non mais c'est vos décisions à vous. Alors oui, je dis pas les autres, du coup bah je vois pas encore m'écouter. Voilà, je me contredis, certes. Mais j'avoue, j'avais même pas pensé. Mais c'est l'image que donnent des gens que tu connais même pas, qui sont sur les réseaux via des pseudo YouTube. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais.
C'est ça. Faut pas voir qu'une image. Faut voir une personnalité. Faut voir un. C'est un tout. On peut pas suivre quelqu'un sans connaître vraiment et dire je veux être comme lui ou autre. On connaît pas sa vie. C'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que t'as l'impression qu'ils ont une belle vie. Tout est beau. Bah, on affiche que le beau. Bah oui. C'est comme nous, hein, sur Instagram ou sur Twitter, on affiche que le beau. Regardez, on était en vacances au Japon. Regardez, on a reçu ça. Regardez, on a reçu ça. Mais regardez, je vais au travail. Regardez, je suis dans les bouchons. Regardez. Non mais c'est vrai. Ah, j'étais dans les bouchons. Regardez, je vais faire les courses à Leclerc. Enfin, c'est. Bah c'est très intéressant. Mais oui, mais on montre pas ça. Du coup, on montre que le beau et on a l'impression que c'est génial. La prochaine fois, on va vous montrer nos. Non, mais on a l'impression que tout est beau, tout est génial, tout est merveilleux dans la vie de ces gens-là. Mais non, c'est comme tout le monde. C'est juste qu'ils montrent le beau côté. Donc, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de chance sur certains trucs. Ah, il y en a certains qui ont beaucoup de chance. Mais ils montrent quand même que le beau côté. Quand ils partent en voyage, je pense même à des youtubeurs comme par exemple Andrew Phoenix qui montre qu'elle est partie à Punta Cana. D'ailleurs, on avait été avec Kim l'année dernière. Ouais. Alors, d'ailleurs, c'est une destination vraiment géniale. Ah bah c'est repos, c'est slash, vraiment ça très bien, mais du coup voilà, on voit beaucoup ça en ce moment, mais on voit pas toutes les réunions qu'elle a fait pour recréer son livre. On a vu ses dédicaces, voilà, on n'a pas vu toutes les collaborations du livre, toutes les réunions avec des gens, toutes le pour ne serait-ce que faire la couverture de son livre, pour réfléchir au partenariat, pour c'est on montre que le beau côté. Ouais. Donc c'est vrai que ça donne envie, mais faut pas se voiler la face et croire que c'est que ça. Quoi. Il faut rien, il y a du derrière travail. Chaque chaîne YouTube, même s'il y en a qui sont pas très honnête, derrière chaque chaîne YouTube il y a du travail et il y a énormément de travail même pour nous, chaque même, chaîne. Même nous, alors sans nous vanter, on fait 2 vidéos par jour, ça nous demande quand même beaucoup de travail. Alors, on se couche pas, ça va encore, on arrive à faire nos week-ends et du coup à faire des vidéos pendant le week-end, donc on s'avance. Ouais. Mais il faut savoir. Mais YouTube que... c'est beau en fait, on montre que le beau donc ouais. C'est génial, mais c'est pas ça. Il n'y a pas que et ça. Y a plein alors de... certes, c'est énorme, c'est il y a plein de sous-entendus, il y a non, plein de. Ah, j'en ai tué un mort. C'était nul la partie. Heureusement qu'à parler. Hein. Ah ouais, je vous parle dans un blabla, mais j'aime bien parler. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien faire des vidéos. C'est sa thérapie, en fait, c'est de parler pendant les vidéos. Bah oui, ça fait vidéos. Du bien de parler. De, non, de vous exposer les sujets différemment que le feraient d'autres youtubeurs, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur YouTube, il y en a... plein on a, qui... on a du mal à trouver des gens qui réagissent comme nous, quoi. Bah en fait, il y en a plein qui... Mais... Ah oui, bah BGD aussi, ouais. C'est Codeco. Ouais. Bah voilà, c'est ça qu'on a perdu. Mais il y a des gens qui s'engouffrent. Je pense qu'il y en a après, c'est automatique, ils s'engouffrent dans non, le... mais ceux qui vous expliquent YouTube, alors certes. C'est faux, tout est faux. Pas tout le alors, temps. Si vous voulez, un jour on vous montrera ce que c'est YouTube et là vous dire ah ouais, en fait ça va. Mais en fait, ils enjolivent beaucoup, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous explique. Faudra limite écrire un livre pour expliquer tout YouTube. C'est ultra complexe. C'est très ultra complexe. Et en France, c'est beaucoup d'entreprises concurrentes et c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Il n'y a pas de bisounours en France. C'est très triste, hein, parce qu'il y en a dans tous les autres pays, mais en France, non. Ouais. Parce qu'en France, faut penser à l'argent. Voilà. C'est ça, YouTube parce de mal. Parce que bon, il y en a qui disent, oui, ça tourne mal, 99, regardez, je fais mon analyse de YouTube, mais il n'y en a aucun qui est franc et qui dira, ouais, bah, YouTube français, bah, c'est un peu du caca, et c'est que on se tire dessus pour faire le plus de thunes, quoi. Et on met le plus de flèches rouges possible. On se copie les sujets, on se copie les principes, les concepts et tout, on s'en fout, on veut faire de la thune. Et bah même si tu marche. M'aimes pas, je m'en fous, moi je fais de la thune. Voilà. Et il y en a, leur défense, c'est bah je m'en fous, je me fais de la thune. C'est ça. Et les gens ils disent, ouah, t'es trop classe. Et là tu te dis, ah d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, t'es trop classe parce que tu fais caca sur les gens, quoi. Pour être poli. Bah les gens ils aiment bien. Bah il y en a qui aiment bien. Donc voilà. Nous c'est pas notre trip, mais on dira jamais ça parce que c'est irrespectueux déjà. Et parce que c'est pas notre principe. D'ailleurs, on se demande quand est-ce qu'on tombera sur des gens. Enfin, parce qu'il y a plein de tueurs qu'on connaît pas. Il y a plein de tueurs qu'on connaît pas. Mais quand est-ce qu'on tombera sur des... Surtout en fait, on a on a aucune relation sur YouTube. Aucune. Il y a aucun youtubeur qui vient vers nous. Fait... On en connaît certains et ils ont jamais parlé vers nous parce qu'ils ont entendu des trucs sur nous. Ils ont des a priori. Et c'est ça qui nous manque, en fait. On n'a pas de communauté de YouTube. Ouais. On aurait pu en avoir. Au tout début avec les poké youtubeurs qui sont tous morts. Qui sont bah, bah non mais c'est vrai. Non ils sont pas morts mais. Non mais sur YouTube. Oui ils sont ils existent plus trop sur YouTube quoi. Mmh. Là, je pense à d'ailleurs je vais faire une dédicace à Dark au feu qui était quand même le youtubeur Pokémon. YouTuber Pokémon. Oh là là c'était tellement. Sans magique, compter Nutitef on parle au niveau carte. C'était tellement limite s'il mettait un commentaire à ta vidéo t'avais fait ta journée quoi. Ouais bah nous il nous avait mis un commentaire on avait gagné je sais pas combien on avait gagné genre 1000 abonnés en journée on a fait mais c'est quoi ce truc là je comprends pas et là ah, Darkofeu022 vous avez mis un commentaire et là tu te dis oh là là Darkofeu c'est lui
Et là, on voit son tweet et qui dit ah ben voilà, j'ai plus la foi sur YouTube, ouais. quoi. Et là, tu dis ah ouais, bah c'était il y a quelques années. Ouais. Et là, tu dis c'est triste, mais vous l'avez peut-être pas connu. Et c'était la référence, il avait 50 000 abonnés, c'était ouf et tout. Et maintenant, limite, ouais. si t'as 50 000 abonnés, ça sert à rien et tout le monde s'en fout. Il faut faire du putaclic pour être connu. Alors putaclic c'est pas un gros mot, hein. c'est la vulgarisation oh non, c'est de... C'est la vulgarisation de miniature... De je vends mon âme pour faire des vues. ouais, c'est ça, ouais. Définition du dictionnaire. Je vends mon âme au diable, mais je m'en fous, j'ai pas d'honneur. Ouais. Je fais de l'argent. Le petit Robert, vous nous appelez, hein, si vous voulez la définition de putaclic. Hein. Ah non. Mais ouais, c'est... Mais vous voyez, moi j'aimerais vraiment faire des vidéos où j'explique YouTube, les principes, tout. Tout mais ce qu'on fait, tout ce que font de mal les autres youtubeurs. Vous imaginez même pas combien de temps ça durerait. Combien d'épisodes on ferait, mais le problème c'est qu'on se fera prendre des tags par tout le monde. Ah ouais. Et par tout le monde parce qu'on dévoilerait ce qu'il y a. On dévoilerait, on dirait bah voilà, il y a ça, lui il ment parce qu'il y a ça, il monte pas ça, etc. Bah voilà. Et du coup on sera détesté encore plus de tout le monde déjà qu'on est détesté alors qu'on a rien fait. Alors qu'on sait même pas pourquoi les gens. Enfin non, on n'est pas détesté, on est ignoré. On est ignoré. Ouais, on est ignoré. On est ignoré parce qu'il y a des affaires. Et c'est triste. Alors pour être franc, on va à un événement ce week-end. Top secret, donc on n'a pas le droit de dire ce que c'est. Ouais. Mais il y a d'autres youtubeurs qui y vont, donc vous verrez bien s'ils parlent de l'événement top secret. Ah, t'es premier. Et honnêtement, ça nous met juste la pression, quoi. Parce qu'on se dit. On n'a pas envie d'être ignoré. On est un peu les Calimero. Non, mais parce que c'est bien d'avoir une vraie communauté, etc. On s'en fiche des autres, etc. Mais c'est pas forcément très agréable sur une convention de se faire complètement ignorer par d'autres youtubeurs alors qu'on est censé être des passionnés de vidéos, quoi. Ouais, on est tous au même niveau. Enfin, après, ça dépend, il y a des youtubeurs qui ont plus d'abonnés, mais à la base, on a commencé par zéro abonné et on a monté les échelons petit à petit. Mais on verra bien. On en parlera dans des vidéos comme ça au hasard en disant ce qu'on en a pensé. Et puis vous verrez de toute façon dans quelques semaines ce que ce sera. Voire quelques mois. Non, quelques semaines. Quelques semaines. Mais c'est fou, c'est ultra complexe YouTube. Faut pas croire que c'est simple, hein. C'est ultra complexe. Et des fois tu comprends même pas pourquoi cette vidéo elle marche. Tu dis pourquoi, ouais. Pourquoi ça, pourquoi tu comprends pas. Ouais, des fois tu comprends pas. C'est un algorithme, c'est un programme, c'est pas des gens qui gèrent YouTube. Donc forcément, enfin il y a des gens qui créent l'algorithme, donc de l'informatique. Oh là, ouais, j'ai le vieux révélé. Et c'est complexe, ultra complexe. Ouais. Alors certes, c'est très sérieux comme vidéo, mais faut à un moment dire voilà là, ce qui est. Donc bah voilà, ça plaît moins ce qu'on fait parce qu'on est trop humain et on n'est pas assez star, showbiz, business, jet set quoi. Et puis y a pas assez coupure, montage, gros plan sur nous. C'est pas nous. Bon, si on a fait pas mal le montage sur Nerf parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire. C'est ouais, notre idée, c'est nous qui avons démarché Hasbro, c'était Nerf, on voulait le faire, ils nous auraient pas envoyé, on l'aurait acheté. Mais c'était marrant à monter. C'était enfin, moi, génial, c'est des vidéos qui nous ont vraiment plu. Et puis en plus, quand on voit les vues que ça a fait, on se dit bah cool, mais en même temps, bah super. Après, tu vois notre vidéo et tu fais ok. Bon, à tourner, c'était moins cool quand même. Parce qu'en fait, avec la luminosité qui baissait et tout, c'était. Donc là, on étale notre vie, hein. On écale nos problèmes. Nos... Après, sinon, Splatoon, bah voilà, on a dit ce qu'on pensait. On attend le 2, on l'a, on peut jouer, ouais. Mais on préfère pas chanter. On peut pas vous montrer, donc ouais. Ça sert à rien. Ouais. 5 minutes, vous rendez compte? Embargo, donc en embargo, c'est quoi? Vous rendez compte? Bonjour à tous, bienvenue conditions. Dans cette nouvelle vidéo de Guillaume Ikki, mais voilà, c'est fini. C'est un contrat qu'on signe avec Nintendo pour dire, on vous donne ça, mais vous avez pas le droit de faire ça. Mais c'est normal, on peut pas dévoiler. Non, mais oui, mais cette fois-ci, l'embargo il a jamais été aussi petit. Ouais. 5 minutes, on a le droit à 5 minutes de vidéo et coupé. Donc en fait, on peut rien montrer. Ouais. Du coup, on s'est dit, on accepte, comme ça au moins on pourra préparer nos vidéos sur mode histoire, etc. Si vous allez voir, d'ici quelques semaines, il va y avoir plein de trucs cool et donc il faut qu'on prenne un peu d'avance sur nos vidéos. Ouais. Ouais, il y a des trucs cool. Ah, bêche-le ! Donc voilà. Voilà. Bah, entre autres, je rappelle encore, mais on va parler manga. Hein. C'est annoncé. Oui, hein. Mais ça, on fera une vidéo, mais c'est vrai que là, ça touche pas tout le monde, c'est sur Paris encore, mais. C'est eux qui nous ont démarché, donc ils ont demandé si on voulait venir. Bah ouais, carrément. En plus, il y a Chris Poisson Fécond, ça va être marrant, je pense. Ouais. On l'a jamais vu. On lui parlera des onze chats. Ah oui. Pardon. Ah, j'ai oublié. Non, il a eu au moins l'honneur non, de, mais de au faire moins, un il a, jeu. Au moins, il se cantonne pas à faire cette vidéo. Voilà, c'est ça. Il est entrepreneur. C'est un vrai entrepreneur. Ah oui, c'est un vrai entrepreneur, ouais. Mais bon, tout n'a pas du succès. Hein. Bah, c'est normal. Hein. Si même tu si t'as un nom. Ouais, c'est vrai. Enfin bref. Mais voilà, tout ça pour dire, YouTube c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et j'en ai fait deux.
Ouais, bien joué. Et on attend beaucoup de Splatoon 2 et on espère qu'on va être servi. Ouais. Bah, il y a le Salmon Run, hein. Franchement, je pense que ça, on va le, ah, ça, on ça, va on va le faire. Tester sûrement avant parce qu'on veut savoir ce que c'est. Et vous verrez, on aura. Merci. Vous verrez. Vous verrez tout, mais là il y a plein de trucs qui arrivent, c'est cool. On, on a passé 250 000 abonnés, donc c'est un quart. On vous remercie, mais on a un peu de dire merci. Mais... Jamais on s'aurait dit, en fait, si on prend du recul sur 3 ans, même 2 ans, jamais on s'est dit qu'on aurait. Bah, on a créé notre chaîne en 2013. La réaction du 100 000 abonnés était véridique, hein, je pensais jamais arriver à. On ne pensait jamais arriver à autant, quoi. Ouais. Ouais, et puis maintenant ça va tellement vite que tu n'as même pas le temps de te dire oh, 200 000 heures, 200. Ouais. Vous vous rendez compte, ça va être déjà 250 000 alors que les 100 000, j'ai l'impression que c'était il y a. C'est un quart. C'est plus de 75% pour arriver à 1 million. Ouais. Donc 1 million, c'est un gros chiffre. Enfin, pour être honnête, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'est pas des gens à buzz. Mais. Ah, tu vois, Big Mama, elle veut. Mais que petit à petit, et puis peut-être qu'un jour on aura le cadre énorme pour montrer à Team GK. Quoi. On n'aura même pas la place de le mettre dans la salle, donc. On fera de la place. D'y aller pas, on sait même plus où les mettre. Mais c'est cool, YouTube, c'est cool. Ouais. Ça nous a apporté quand même beaucoup de trucs et on vous remercie. Ouais, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Ah, pleure pas, hein. Ah non, non. non, parce que. En fait, il y a tellement de trucs qui me font aller sur YouTube que je peux pas pleurer maintenant. En fait, après avoir grossi, on se rend compte de plein de trucs et tu fais. Ah ouais, bah en fait, récemment, là, moi, enfin, je trouve que c'est depuis quoi 2-3 mois, les tendances, mais c'est. Oh non, mais YouTube, c'est n'importe quoi. Oh, mais non, les tendances, rien que les tendances. Limite, t'as 3 vidéos qui suivent, si tu perds, tu recommences. Essaye de regarder cette vidéo sans rigoler, si tu rigoles, tu recommences. 99% ouais. Aussi. Ouais, ou ça tourne mal. Oh, ça et tourne là, t'as 40 000 vidéos qui ont exactement le même titre, limite la même miniature, et tu dis bah 300 000 vues, et tu te dis, mais attends, mais les gens veulent regarder 5 fois la même chose ou quoi? Ouais, mais ça tourne mal, ah, ça m'énerve. Et puis ceux qui rigolent en mettant ça tourne bien, c'est encore pire. Mais est-ce que c'est du putaclic sans oser l'admettre? Ouais, ça. En disant, ouais, on se moque du putaclic, mais on fait quand même du putaclic. Mais on fait quand même du putaclic. C'est moche, YouTube, il y a plein de trucs moches. Ouais, ah non, mais les tendances, je sais pas. Ou faire. Si, il y avait une super vidéo en tendance récemment, c'est Challenge Nerf avec Guillaume et Kimo. Ouais, parce qu'on était les seuls Français à en faire comme ça et de cette manière-là, sur ces plans-là et ce genre de miniature. Ouais. Voilà. Au moins, on a eu une idée. Et on c'était l'a fait pas du tacling parce que les gobelets, ils étaient jaunes et rouges. Et l'arme, c'était l'arme qu'on utilisait. Donc, il y avait zéro pub. Et pour ceux qui ont dit oui, pub de 12 minutes, Cimer, c'est pas de la pub puisque c'est nous qui avons démarché et on n'a pas été payé. Point barre. Il n'y a rien à dire d'autre. Voilà. Pas de la pub. Ouais. On aurait été contacté payé, là ça aurait été de la pub. De bah façon, on l'aurait dit, on est honnête avec dit, vous. On l'aurait dit. On est quand c'est rémunéré. Et Nerf, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont jamais fait de pub. Alors je sais pas pourquoi ils auraient fait de la pub avec nous. C'est clair, c'est bah on n'est pas ceux où on a le plus d'abonnés, donc il y aurait eu aucun intérêt. Enfin. Il y a des gens qui voient le mal partout. Quand t'as pas vraiment un nom. Bah c'est comme sur Woodbox, les gens qui pensaient qu'on était payé 10 000 euros par vidéo. Hein. Non, 1000 euros. Ah 1000 euros. Ouais, pardon. Bah cool, bah on gagne 5 000 euros par mois avec des box. Super. Ouais. Ah, ce serait bien. Il n'y a aucune box qui nous paye. Parce qu'on ne veut pas, parce que comme ça, déjà, il n'y a aucune attache financière, parce qu'on ne veut pas. Et parce que comme ça, on est ultra critique. Et si c'est moins bien, ben on le dit. Si c'est bien, on le dit pas. Et puis, on n'a pas d'obligation à faire. Ah, si c'est bien, on ne dit pas que c'est bien. Non, si c'est pas bien, on ne dit pas que c'est bien. Voilà, oui. On n'a pas d'obligation, quoi. Voilà, c'est ça. On et bien, quand on avait critiqué et finalement, c'était rattrapé, c'était pour éviter de détruire un objet qui a demandé du travail, quoi. Après, avec du recul, je sais pas si on a eu. Si je fais bien de m'en vouloir, mais bon. Oh, moi ça va. Non, voilà, oui. Pas de remords, mais bon. Non, mais. De toute façon, vous voyez petit à petit. Ouais. On dit ce qu'on pense. Si un jeu nous plaît pas, on le fait pas. Si un jeu. Bah non, on a fait des jeux qui nous plaisaient, on en fait plein, mais. Bah, on en fait plein, mais on les fait. Binding of Isaac qui va revenir là, ou qui est revenu, c'est fat, hein, Binding of Isaac, ouais. C'est vraiment énorme, hein. Eh bien, il revient cet après-midi. Voilà. Voilà. Bah, c'est badass. Mais on n'en fera pas autant parce qu'on sait très bien que c'est pas une suite, il y a moins de gens voilà, qui attendent, donc ça. Voilà, c'est un petit jeu. On réfléchit à chaque vidéo qu'on met quand même. Ouais, mais tous les jeux que vous voyez sur notre chaîne, même s'il n'y a qu'un épisode, c'est des jeux qu'on aime bien, qu'on a choisi. Voilà, bientôt, il y aura Professeur Layton. Bah oui, il sort sur iOS. Lady Layton plutôt. Ouais, Lady Layton, il sort sur iOS Android. Avant la 3DS. Sur notre chaîne. Ce sera le même jeu. Ouais, oh, j'ai on a gagné. Jeu. Voilà. Voilà. Il y a plein de trucs à dire, il y a plein de trucs. Bah, il reste une partie. Il y a plein de trucs à dire parce que. Ah, Guillaume, il pourrait écrire un livre. Mais non, mais limite, des fois, on se prend la tête en se disant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Bah, YouTube. YouTube.
Mais c'est vrai que c'est un sujet de conversation qui est très récurrent chez les ensemble. Bah nous, c'est normal, parce que c'est une partie de notre vie, c'est logique. Bah c'est quand même depuis, même si ça fait depuis deux Splatoon qu'on vraiment on fait deux vidéos par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont multimillionnaires. Enfin, je sais pas si. Non mais même sans ça, nous c'est quand même quelque chose qui. Non mais en parlant de nous. Gagnent 30K par mois et qui sont pas foutus de faire deux vidéos par jour ou même une vidéo tous les jours parce que c'est trop difficile la vie. Ouais, parce qu'ils partent en vacances. Je dis pas que tout le monde doit faire une vidéo par jour, mais. Non, mais ceux qui se disent. Ceux qui cherchent des excuses, ouais. Y en a pas quoi. Y a pas d'excuses, ouais. C'est comme un travail, c'est comme si tu disais à ton patron. Bah non. En fait, le problème, c'est qu'on se demande. Est-ce qu'il y a vraiment encore des youtubeurs qui voient pas ça comme un travail? Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'ils font tous, c'est ils quittent leur travail. Et ils font ça, ils misent tout là-dessus, ils engagent de l'argent. Il y en a qui vont dire, Kim aussi, tu non. Maintenant. Mais ça fait non, c'est qu'en fait, Kim, elle a été virée, entre guillemets. Bah non, c'était la fin de mon contrat. Oui, mais non. C'est pas viré, mais c'est la fin du contrat, il n'y a plus de taf, quoi. Donc au lieu de faire du chômage, autant tenter ça. Et c'est payant. Sauf qu'il y en a qui quittent leur travail, qui quittent leurs études. Et qui disent, ça marche pas. Et après, qui rage. Tu dis, bah ouais, mais en même temps, c'est un loisir, c'est pas un boulot, enfin, et en fait, je m'en fous, mais en fait, il y en a trop qui sont considérés comme un travail, et du coup, on voit qu'il n'y a pas de passion, quoi. Moi, je considère pas du tout ça comme un travail. J'ai travaillé avant beaucoup, bah oui, et c'est pas un travail, enfin, il y a du travail à faire, alors oui, ça prend beaucoup de temps, c'est du travail à mettre en place, mais le problème, c'est que c'est pas un travail, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est pas possible. J'ai lancé 3000 de fois. Tiens, fini. C'est le gamepad. Il y en a qui sont ingrats, quoi. Il y en a qui s'en foutent et qui sont adulés quand même. Et ouais. Et après, tu dis limite à quoi ça sert d'être honnête et gentil, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, mais on le saura toujours. Hein. Honnête et gentil, bah oui. Mais on est dis dedans, à quoi ça sert, quoi. T'as beau être différent en disant, bah moi je vais être un peu plus honnête avec les gens. Bah, ouais. Alors pas tous, il y en a qui s'en rendent compte, mais... Non, mais il y a des youtubeurs aussi qui sont honnêtes, hein. Ah bah non, mais on, heureusement, on fait pas... Heureusement, hein. On fait pas une généralité, on a des exemples en tête, on vous dira pas parce que voilà, c'est... On veut pas taper sur des gens parce que voilà, c'est inutile, il y en a tellement en plus. Ah bah là, et puis maintenant, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et il y en a de plus en plus, alors... là, il y a les trois quarts de YouTube qu'il faudrait taper. Hein. Non, mais c'est... les tendances et les vidéos... Ah non, mais les tendances, moi, ça me... Mais on s'en fout des tendances à réfléchir, mais les vidéos qu'il y a comme maintenant, tu te dis, mais oh, je réagis à, oh, regardez, oh, je réagis à, oh, regardez. Les Américains réagissent à. Les SMS les plus hautes, oh, les SMS les plus graves, oh, les pires réflexions des profs. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Alors peut-être que ça vous atteint plus, vous, mais bon. Bah, nous, on était trop vieux. Mais on a jamais, moi, honnêtement, j'ai jamais regardé les vidéos sur YouTube, à part. Bah, c'est du putaclic. Joueur du grenier, on regarde. À la limite, qu'on fasse un contenu comme ça marrant, mais pas un contenu avec marqué tout sur la miniature en disant regardez, regardez, vous allez voir, c'est trop beau, regardez, regardez, ouais. Cliquez, essayez de pas rire. Bon, allez, tu fais une dernière. Essayez de ne pas appliquer à tous les jeux. Ah, ouais, essayez de ne pas être mal à l'aise, essayez de ne pas rire, essayez de. Pas être triste, essayez de ne pas cliquer, essayez de ne pas vomir. Ah, tiens, vomir, il n'y a pas eu. Ah, ouais. Oh, si, je crois qu'il y a eu. Si, il y a eu. Si, il y a eu. Essayez de ne pas faire quelque chose. Ah, mais ils se déconnectent, BGD. Du coup, à chaque fois, on perd. Il rage peut-être. Ah, ça se trouve. Bah oui, il revient à chaque fois. C'est bizarre. YouTube. Vive YouTube, vive YouTube. Alors, on se plaint pas, hein. C'est pas de la plainte. Hein. Ah, mais non, non, on se plaint pas. C'est de la non-compréhension des gens qui regardent ce genre de sujet. C'est tout. Ah, que des GK, bah voilà. Loulou et les GK. Que des GK. Vive les GK. Ça y est. Cool, pour la dernière en plus. Ah. Voilà, en fait, on est triste surtout de Splatoon, quoi. Ouais, on est triste. On est triste que ça se finisse. On est triste, parle autre chose, quoi. Vous vous rendez compte, ça? Ça sert plus à rien, quoi. On peut le jeter à la poubelle. Non, mais c'est fou comment ils ont têche la Wii U, quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu un truc autant mis de côté d'un coup, en fait. Ouais, parce que limite, la PS3, il y a encore des jeux qui sortent dessus, tu sais. Enfin. Non, mais en vrai, hein. Oui, bah la oui. PS3, y a mais la FIFA, PS2 hein. Aussi, FIFA, ouais. Ça sortait sur PS2. Mais FIFA sort sur PS3, Call of Duty, les Just Dance sortent sur PS3. Hein. Là, ouais. Sur Wii U, y a plus rien du tout qui va sortir, hein, plus rien. Bah, Just Dance 2018, je pense qu'il va sortir sur Wii U quand même. En tout cas, moi je vais l'acheter parce que j'adore Just Dance et je les achète tous. C'est répétitif. Bah, on a fait Just Dance, hein, il y a quelques mois et vous les aimez vraiment. Ouais. Du coup, on fera sûrement une autre vidéo. Ouais, je pense. Bah, le 2018 en plus. Bah voilà, Just Dance, on le fait parce que c'est un jeu qu'on aime bien. Ouais. On va pas pour faire moi, j'y joue, hein, des fois toute seule. Je pousse ma table de salon. Et puis... Encore, oh, on a le jeu. Bah oui.
J'y joue. Bah merci. Bah oui. Et qu'on a acheté le jeu 50 bouliches pour rien quoi. Bah non mais j'y joue. Va-t'en. Ah, bah non mais il y en a deux. Bah c'est normal. En plus c'est la dernière, tu te rends compte. Les gens ils pourront plus jouer avec nous sur Splatoon 1. Bah et ça se trouve ils ont même pas la Switch. Attends. Ouais. Alors oui, on peut pas offrir la Switch à tout le monde, hein. On n'est pas Nintendo. Hein. Ah mais non, désolé. Hein. Déjà la Nintendo l'offre à des gens, des fois tu te dis oulala. Ouais. Mais on va pas l'offrir à tout le si, monde. Par contre, si on pouvait, on ferait. Hein. Ouais. Bah mais si elle ne coûtait rien, ouais. Oui, c'était bah, oui. 1 euro symbolique. Ah non, ça coûte très cher quand même, parce que pour tout le monde, au final. Et ouais, je suis. Ouais. Non, non, on est très contents du YouTube. On est très contents de notre parcours, on est très contents de Splatoon. Non, nous, on est très contents de notre chaîne. On est critique parce qu'on a toujours été critique, surtout. Et c'est tout, quoi. Enfin, point barre. Oui, surtout moi. Mais je suis critique dans la vraie vie, hein. Je critique. Non, pas en mal, j'analyse en fait. C'est plus de l'analyse, voilà. Je critique pas. Bah, en fait, c'est parce qu'il a fait de l'informatique et du coup, les informaticiens. On analyse. Ils analysent. Mais des fois, c'est énervant, hein. Bah, oui, quand vous réfléchir pour acheter un truc. Faut poser le poids et le contre, toujours. Alors oui, des fois, ça peut être un peu relou, mais faut mieux réfléchir à dire finalement, bah ouais, c'est mieux de faire ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a plein de fois où moi, c'est vrai que sur un coup de tête, tu vas tête baissée et tu te dis finalement... Ah, oh, tu veux même pas tuer. Ouais. Si tu vas tête baissée, tu dis, ah, moi, je m'en fiche, vas-y, je le fais, machin, et puis au et final... Et après, je l'explique et, ah oui, bah ouf. Finalement, non. Ouais, puis finalement, c'est pas une bonne idée que ça. Bon, il y a la dernière partie. Ah, bah voilà, quand même. Splatoon 2. Ouais. Ça passe vite, hein. Ça fait déjà 50 minutes. Ça fait déjà 2 ans qu'on a sorti la vidéo. Ouais. Tout le monde te suit et personne vous. On va perdre à cause des gens qui te suivent. Bah ils sont pas avec moi les autres donc ils s'en fichent. Bah oui. Ils veulent gagner. Du coup ils remontent un peu. Attends, on va y aller. Quoi? Non mais attends. Non mais tout le monde est content, vas-y. Oui. Squid. Pour la dernière, pour allez pour la dernière. Il reste 18 secondes, tout le monde est content. La paix. Non, mais comme ça, mais arrête. Aucune âme. Cette personne n'a pas d'âme. Bon, attendez, on va faire une dernière partie où on va faire que ça pour voir si les gens comprennent qu'il faut juste faire ça pour dire au revoir Splatoon. Au revoir Splatoon, allez. Bon. Bah du coup c'est triste parce qu'on a voulu faire un truc et Bah on a voulu faire ce que vous avez vu dans la dernière on a vidéo essayé, non mais on a essayé 8 vidéos et j'ai pas compris. Donc je me dis alors est-ce que je suis bête ou pas. Je suis à 0,8-0,10 depuis le début, hein. Je pense que les gens se disent je fais des kills. Et il y en a qui nous ont tués 6 fois de suite et ils ont pas compris. On voulait juste aller en amitié. On voulait juste faire un coucou au revoir, donc ça tombe à l'eau. Alors je comprends pas pourquoi les gens pas compris, mais c'est pas grave. Donc on va s'arrêter là-dessus. C'est un peu dommage de finir là-dessus, Splatoon. Bah ouais, on aura bien. On manque pas de regret d'arrêter de jouer parce que j'ai l'impression que c'était juste pour le kill. Bon. Ouais. Du coup, pour ceux qui ont joué avec nous, qui se sont dit j'ai battu Guillaume, en fait je jouais pas, je faisais qu'avancer avec le joystick. C'est ça, mais bon, attends, quand même, ça fait 0,8 pendant moins que c'est 5 parties. Juste pour dire, on vient. En plus, c'était toujours le même qui rejouait, hein. Bon bah tant pis, c'est pas notre grave. Notre équipe a compris mais face bon. C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, notre truc tombe à l'eau et puis ben pourtant on l'a déjà fait dans les autres parties. Mais bon, on fera ça sur Splatoon 2. On fera ça sur Splatoon 2. Pour commencer, première partie. Bon, non, et donc prochaine vidéo sur Splatoon sera Splatoon 2. Ce sera Splatoon 2, donc de la semaine prochaine à peu près, c'est ça, un peu plus la semaine prochaine. Donc on espère. Ah, je suis triste parce que là j'ai vraiment fait, j'ai vraiment 6 parties à attendre, à essayer de me dire mais les gens vont comprendre que je joue pas. Non. Ah non, d'accord, mais il m'a tué 6 fois. En ah tout bah, cas, on vous remercie d'avoir passé 200 vidéos avec nous sur Splatoon 1. Que vous passerez encore 200 voire 300 vidéos sur Splatoon 2 avec nous. On espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et voilà. Tout ce qui s'ensuit. Et merci à ceux qui ont joué. Et merci à ceux qui ont joué. Depuis le début hein, de Splatoon forcément. Et puis bah, on vous dit à bientôt d'une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut. Salut.